Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Stevie Boulet, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoine, Ferry Cochin, Christine Bravo et Jean-Bernard Lévy. Alors Ferry, elle est inquiète quand je commence comme ça. Mais oui, parce que vous rigolez depuis tout à l'heure avec Jean-Luc, mais je ne sais pas à quel sujet. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, dans Le Parisien, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Qu'est-ce qu'on voit? Moustaki. Que Georges Moustaki a été hospitalisé à cause d'un accident de moto. Et je sais, est-ce que vous l'avez fait trop boire? Parce qu'il est venu dîner chez vous. Oui, exact. Ah. Il est venu dîner chez moi, mais... Il y avait une soirée jeune avec Omar Sharif et Pierre Benichou. Non, oui. Alors, il était en pleine forme en partant de chez moi. Il est parti en voiture. Ah! Oui. Et il est arrivé chez lui et au moment de se garer, il a vu que sa moto... Non, il s'était tellement emmerdé chez toi qu'il est allé faire la tête. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Johnny qui fait la une de VSD pour nous expliquer pourquoi il veut devenir belge. Un retour aux sources, nous dit VSD, pour retourner sur les traces de son père et même s'offrir un nouveau départ, si on en croit Gala. Mais hélas, pour Johnny, ce matin, Libération nous donne une toute autre explication. Johnny voudrait être belge pour devenir monégasque. Suivez bien. Selon l'entourage du chanteur, sont ses amis en plus qu'ils disent, c'est plus facile de devenir résident monégasque et donc bénéficier des conditions fiscales de la principauté de Monaco, si on a la nationalité belge plutôt que la nationalité française. Donc il passerait en fait par la Belgique pour devenir monégasque. Ça paraît compliqué, même Florent Pagny n'arrive pas à suivre. Mais si Johnny a vraiment pensé à tout ça tout seul, il mérite pas d'être belge. Vous y croyez, Jean-Bernard, à cette version? C'est hallucinant quand même. Mais non, mais évidemment qu'il fait ça, peut-être pas pour être monégasque, mais en tout cas pour échapper à l'impôt en France, puisque tout le monde sait qu'en Belgique, il n'y a ni d'impôt sur la fortune, ni surtout d'impôt de plus-value. Il y a l'ISF en Belgique, hein, l'impôt sur les frites. Oui. Il n'y a surtout pas de plus-value sur les sociétés. Et donc, comme il dit que c'est pour ils disent, arrêtez avec la Belgique, ils disent qu'ils s'en foutent de la Belgique. Ils veulent la nationalité belge pour pouvoir ensuite être résident monégasque. Oui, voilà. Pourquoi bien sûr. Tous les Belges ne vont pas à Monaco? Parce qu'ils sont belges. D'ailleurs, pour tout vous dire, on lui a demandé directement à Johnny si ses motivations étaient fiscales. Il a répondu non, non, c'est pour payer moins d'impôts. En fait, si Johnny demande... À être résident monégasque, c'est juste parce qu'il a toujours eu le rock'n'roll attitude. Autre photo, celle de ce bébé à la une du Parisien pour illustrer le nouveau record 2005, 807 400 bébés en France l'année dernière. La France enregistre le deuxième plus fort taux de fécondité après l'Irlande d'ailleurs dans l'Union Européenne. Et ça c'est encore la faute aux 35 heures après tout. Les Français travaillent un peu moins, donc qu'est-ce qu'ils font? Ah, des bébés. En même temps, c'est peut-être pas qu'on est les plus forts en amour, c'est peut-être qu'on est finalement les plus nuls en contraception. Mais c'est une bonne nouvelle. On n'a pas de pétrole, mais on a des bébés, comme titrait 20 minutes ce matin. La France pouponne pour le journal France Soir. Douce France, cher pays de la petite enfance, résume Libération. 800 000 bébés d'un coup. Il paraît que Nicolas Sarkozy et Gilles de Robillard ont réagi tout de suite. Finalement, c'est pas dans les écoles, c'est directement dans les maternités qu'on va mettre des policiers, parce que si on veut les éduquer très bien maintenant, il faut le faire dès le départ. Il n'y a pas de raison. Oui, Perry. J'ai l'impression que le rouge, donc la zone où il y a le plus d'enfants, c'est dans le sud. Oui. Or, on a toujours cru que dans le sud, c'était la zone où il y avait le plus de vieux. Alors, pas de ce côté-là. Pas sud-ouest. Du sud. Dans le sud-ouest, ça y va. Ah oui, ça y va, parce qu'ils s'emmerdent ou quoi? Ah non, c'est superbe le sud-ouest. Mais pourquoi plus là-bas qu'ailleurs? Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a plus des envies. De temps, et ça donne des envies. Comme ça, on sait où il faut aller pour se faire sauter. On va C'est plutôt bien. Quand tous les journaux ont dit que les Français n'ont pas le moral, et bien quand ils n'ont pas le moral, ils niquent visiblement. Et bien grâce à ça, moi je suis fier d'être français. Voilà. Sauf que, avec une moyenne de 1,94 enfants par femme, c'est assez rageant. Quand on pense qu'à 0,6 enfants près, on en avait 2 enfants par foyer. C'est couillon, messieurs, vous retirez pas trop vite quand même. Et alors ce qui est amusant surtout,
c'est qu'on nous dit que les autres pays européens, parce que d'un seul coup on est fiers qu'en France on fasse des enfants, on nous dit oui, les autres pays européens plafonnent à 1,5 enfants alors que nous on en est à 1,94. Bah, franchement, il n'y a pas de quoi se moquer des autres pays, parce que franchement, entre avoir 1,5 enfants ou avoir 1,9 enfants, ça ne change pas grand chose. Des enfants, t'en as un ou deux, oui. Mais entre 1,5 et 1,9, finalement c'est pareil pour tout le monde. Je sais comment calculer. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, le taux de renouvellement pour que la population ne décroisse pas, il faut au moins avoir deux enfants par couple. Donc, moi, on n'y est pas encore. Moi, j'ai bien travaillé. Voilà. Moi aussi. Perry Cochin, Ségolène Royal, Zinedine Zidane. Hervé Guémard. Hervé Guémard. Toi, toi aussi, combien? Ben, j'ai deux enfants. Mais deux, oui, mais ça suffit. Bon, Stevie et moi, on fait baisser la moyenne. C'est sûr. C'est sûr. Une autre photo, celle de Jacques Chirac, dont François nous dit qu'après ses vœux en Corrèze, le week-end dernier, il y a des nouvelles rumeurs qui courent sur sa santé à cause de nombreux lapsus qu'il a commis dans son discours. C'était à Tulle, samedi dernier, très précisément. Il paraît qu'il a prononcé souvent un mot pour un autre, beaucoup bafouillé, il disait parfois n'importe quoi. Mais bon, que tout le monde se rassure quand même. Tant qu'il ne dira pas « voter Sarkozy au lieu de voter Villepin », il ira au bout de son mandat. C'était tout simplement qu'il avait peut-être un problème de lunettes. Non, mais on n'en fait pas, nous, des lapsus. On n'en dit pas des conneries. On balbutie pas, nous aussi. Mais t'es pas président de la République. Oui, mais Il paraît que vous vous présentez au Mexique, parce que comme l'Amérique latine est en train de passer à gauche pour les femmes, vous pourriez vous présenter au Mexique? Non. On a fait l'affiche l'autre jour, vous n'avez pas regardé l'émission? Non. Quelle émission? Ah ben, vous ne regardez pas la nôtre, d'émission. Bah, je me regarde quand j'y suis. Moi, je serais de vous, je regarderais plutôt quand vous n'y êtes pas. Ah, t'es dégueulasse. Alors, une autre photo, celle de Jean-Marie Le Pen, alors qu'il lui vend son hôtel particulier, 6,45 millions d'euros. C'est sa propriété de Montretout, c'est à Saint-Cloud, dans la banlieue ouest de Paris, qui est à vendre. Un héritage, d'ailleurs, qu'il avait obtenu des ciments Lambert. Alors, moi, je trouve que, franchement, c'est con que ce soit si cher, parce que autrement, on se serait tous cotisés. Hein. On l'achetait, cette propriété, et rien que pour l'emmerder, on en faisait un foyer, son accotera. Allez, on passe au film du jour pour lequel toute la presse s'enflamme, Le secret de Brokeback Mountain. L'assaut, mélo, chapeau, titre Libération en une ce matin, pour un western, vous le savez, qui raconte une histoire d'amour homo, donc entre deux cow-boys. Une chevauchée entre passion et interdit, titre Le Figaro. Une liaison impossible au pays des cow-boys, pour le journal La Croix. L'amour vache de deux cow-boys, selon l'Humanité. Attention, chef-d'œuvre, nous prévient le journal Le Parisien. Bon, alors, quand même, moi, je voudrais dire que c'est pas le premier cow-boy homo qu'on ait vu. Ah oui. C'est vrai, c'est quand même oublié un peu trop vite les Village People, par exemple. C'est vrai, il y avait les... Et puis dans les 7 mercenaires, et dans les 7 mercenaires, statistiquement, forcément, il y en avait un sur les 7. Faut pas déconner non plus. Ce qui est drôle, c'est que le même jour, on nous sort un film avec deux cow-boys homo et un autre film, regardez, avec Salma Hayek et Penelope Cruz. Et regardez, c'est vrai qu'elles ont l'air un peu paumées sur l'affiche. Où ils sont, les mecs? Où ils sont? En tout cas, pour la première fois, on n'entendra pas au début d'un film, et surtout d'un western, de nous deux, il y a un homme de trop dans cette ville. C'est une arnaque. Si ça se trouve, ces deux-là, c'est des hétéros dans la vraie vie. C'est des acteurs. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non, c'est formidable. Ouais, quelque part, il a raison. Non. C'est vrai qu'on a fait tourner dans les westerns. Tout Hollywood pédé, on prend deux mecs. Non, mais elle a raison dans le fond. C'est vrai que c'est très drôle. Tous les cow-boys qu'on a vus depuis qu'on est tout petit, c'était tous des vrais homos. Et là, on fait tourner deux hétéros dans un western gay. Elle a raison. Après le succès des Frères Invisibles, un ouvrage sur les francs-maçons, et puis Les Intouchables, qui était une enquête sur l'inspection des finances et les énarques, la journaliste Guylaine Ottenheimer vient de sortir Nos Vaches Sacrées aux éditions Albin Michel. Et cette fois, c'est un livre dans lequel Guylaine Ottenheimer affirme que malgré les apparences, la France n'est pas forcément condamnée à la déprime généralisée au déclin si elle se réveille et si elle supprime peut-être quelques vaches sacrées. Selon Guylaine Ottenheimer, le seul moyen de guérir ce pays, la France, c'est justement se débarrasser de ces quelques vieilleries qui sont encore dans nos pays. C'est parfois aussi dans nos têtes et dans nos esprits. Elle va tout nous expliquer. Voici sur notre plateau Guylaine Ottenheimer. Bonsoir, Guylaine, bonne année. Guérir
sans elle, alors sans elle, ce sont les vaches sacrées. C'est pas, faut pas s'attendre à des noms. Hein. Les vaches sacrées, c'est pas des personnes que vous nommez. Parce que si, il y a Sylvie Vartan quand même. c'est plutôt un état d'esprit, parfois des lois, mais aussi un état d'esprit qui reste en France. C'est des croyances, les vaches sacrées, c'est des croyances qui structurent notre société et auxquelles on croit aveuglément, mais qui souvent cachent un ordre social qui n'est pas forcément juste et efficace. Voilà. Alors, moi, alors, première question, alors, j'y vais directement. Mais est-ce que c'est quand même pas un livre pro-Sarkozy, ça? Non. Parce que quand même, vous parlez beaucoup de la rupture dans ce livre. Ben oui, parce que quand on parle pour c'est soigner... C'est le slogan de Sarko. Ben oui, j'y peux rien. Alors bon, Sarkozy est évidemment celui qui, sur la scène politique, est le plus dans cet état d'esprit de considérer que les choses vont pas bien quand même, pas très bien, et qu'il faut faire autre chose. Malheureusement, moi j'aimerais bien, à gauche, je pense que Dominique Strauss-Kahn ou même Ségolène Royal sont capables de faire ce travail en disant, bon, allez, on regarde les choses et puis ça ne fonctionne pas bien. Mais pour le moment, malheureusement, on ne les entend pas beaucoup, quoi. Ils sont plus à se disputer et à parler des escarpins ou je ne sais pas, que de discuter du fond, voilà. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a plu dans votre livre, et je sais que vous l'avez fait pour moi, ce sont les 15 pages consacrées à la ville du Havre. Là, j'avoue que j'ai été très surpris. Vous racontez, vous voyez, voilà, vous donnez l'exemple de cette ville, vous dites, le Havre, voilà une ville qui a un peu bousculé les vaches sacrées et qui s'est transformée. Et vous n'êtes pas d'accord? Ben, c'est un peu vrai, oui, oui. Alors, dites donc, le maire du Havre, Antoine Ruffnac, là, il peut vous remercier, parce que s'il n'est pas réélu après ce que vous écrivez là, c'est à désespérer. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il fasse un troisième mandat, puis j'ai surtout rendu hommage aux fonctionnaires qui ont même si c'est sous la houlette d'Antoine Ruffnac qui leur a donné une direction et qui leur a donné les moyens de faire cette révolution, mais c'est les fonctionnaires qui ont fait bien leur travail. Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est une question de technique, de pédagogie, de façon de faire? Parce qu'il y a ça aussi qui joue. De mentalité, c'est dans les têtes. Et donc, je raconte chaque fois que les gens arrivent à sortir de leurs emmerdements, c'est que simplement, ils ont pris les choses à plat, sans idéologie, en discutant, en étant professionnels, en gérant, en mettant l'argent où il faut, en définissant des priorités. Et voilà, c'est tout simple, on en est capable. La Finlande l'a fait, l'Irlande l'a fait, l'Espagne est en train de le faire. C'est pas normal que ce pays extrêmement riche ait autant de sans-abri, de précaires. Non, on mérite mieux. Oui. On ne vit pas au-dessus de nos moyens, on vit en dessous de nos moyens. Christine. Est-ce qu'on gêne pas un peu trop en France aussi? Parce que tu vois, quand j'ouvre Paris Match cette semaine, tu vois pieds nus sous les pluies glacées, les enfants pataugent dans une boue d'excréments, d'ordures et de sang. Ça, c'est ce qui se passe au Cachemire. Est-ce que quand tu vois un peu tout ce qui se passe dans les pays où vraiment c'est la merde, et que tu fais un bouquin quand même qui m'a totalement déprimé, où je me dis, mais putain, les Français quand même, ils se plaignent vachement. Moi, je suis d'origine espagnole, je suis très souvent en Espagne. Tu le dis dans ton livre d'ailleurs, les Espagnols ont de morale. Et c'est vrai, les Espagnols font la fête, ils sont heureux. Alors, explique-moi pourquoi. C'est que culturel? Non, c'est parce qu'il y a 10 ans, l'Espagne n'allait pas très bien. Il y avait 25% de chômage. Aujourd'hui, ils en sont à 10. Et ça va de mieux en mieux. Et ils se rendent compte que ça va de mieux en mieux, qu'ils sont en train de gagner du confort de vie, de gagner de la puissance, de gagner des perspectives. Et mais nous, ils sont et pas nous, génières, et comme les Français. Mais oui, ils n'ont jamais été, nous, malgré 40 ans de fascisme. Qui est au cœur du sujet, parce que nous, on continue à rêver d'une gloire passée qui est finie. Il faut tourner la page et faire autre chose. Vous dites même que ça se ressent au niveau du tourisme. Certes, on a toujours beaucoup de touristes qui viennent chez nous en France, on affiche toujours de très bons résultats, mais vous dites ils ne restent pas, ils sont de passage. Ils restent deux jours. Parce que c'est plus le pays de la fête, c'est plus le pays du service. Les gens ne sont pas heureux. Et ben, je dis simplement que c'est une maladie psychologique. Moi, je crois vraiment qu'il y a une déprime. Et une déprime, ben, ça soigne quand même. Vous êtes en train encore plus de nous déprimer. Je trouve ce bouquin ultra efficace et à l'inverse de Christine Bravo, moi ça m'a donné de l'espoir parce que constater la maladie, c'est avancer vers la guérison. Alors aujourd'hui, Guylaine a nous fait un constat très clair, la France va mal, on est tous sous antidépresseurs, on est dans une vraie morosité, on broie tous du noir, mais notre avenir ne dépend que de nous. Il faut arrêter de s'appuyer sur les acquis sociaux, il faut arrêter de regarder dans le rétro, il faut voir de l'avant, il faut sortir les doigts du cul, il faut y aller quoi. Il y a un moment où ça ne dépend que de nous et le problème des Français, c'est qu'on se dit c'est formidable, on a fait des choses
choses extraordinaires pour les citoyens. Et aujourd'hui, on ne veut pas en changer. Il a prononcé le mot qu'il ne fallait pas, les acquis sociaux. Alors parlons-en, parce que là, si Gérard Miller était là, je prends un peu la parole de la gauche de l'émission, parce que je sens bien que là, il y a plutôt des gens favorables à votre bouquin sur le plateau Guylaine-Ottenheimer. Mais si Gérard Miller ou Pierre Bénichoux étaient là, ils diraient, oh là là, mais alors, évidemment, alors s'il faut aller bosser jusqu'à 70 ans au lieu de 60, s'il faut refaire 40 heures au lieu de 35, si il faut revoir tous les acquis sociaux que les syndicats et que les grèves... Si je peux me permettre, c'est exactement ce que font et Bénichoux et Gérard Miller. Ils ont 70 ans, ils continuent à travailler 45 heures. Évidemment, ils prêchent pour le contraire de ce qu'ils font. Je vais vous dire juste une chose. Il y a plus d'emplois précaires en France qu'en Angleterre. Et oui. Voilà. Un pays qui va mal. Je veux dire, c'est l'économie qui fait le social. Franchement, tout ce que vous dites a déjà été dit, un peu rabâché. Oui, personne ne fait rien. Franchement, il y a beaucoup de clichés dans le livre. Je dois le signaler. Mais moi, je veux bien. Vous dites, il y a des solutions. Là, vous venez de nous dire, il y a des solutions de ça. Ok, lesquelles? Alors vous dites changer l'appareil d'État, refondre, remettre à plat tout ça et virer tous les gens qui sont là et recommencer à zéro. Alors il y a deux choses. Si vous remettez tout à plat, je ne suis pas contre l'idée, mais ça veut dire que vous allez faire des licenciements à gogo. Vous estimez qu'il y a trop de conseillers, trop de personnes autour. Oui, il y a trop de personnes autour de chaque poste à responsabilité, et donc il y aurait 2-3 000 emplois chaque fois qui devraient peut-être dégager, qui sont en trop dans chaque ministère. Soit, moi je veux bien, mais qu'est-ce que vous faites? Des licenciements d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce que ce serait votre gouvernement idéal alors? Je peux répondre à sa place, en gros vous dites, ils feront autre chose. Ils créeront des entreprises, ils feront de la recherche, ils trouveront, ils auront cherché des marchés, il y aura peut-être plus d'infirmières dans les hôpitaux, il y aura peut-être plus de chirurgiens, il y aura peut-être plus de juges, il y aura peut-être plus de services sociaux. Et il y aura moins de conseillers dans les cabinets ministériels avec des voitures et des chauffeurs, etc. Ouais, je ne dis pas d'ailleurs de tout casser, parce qu'on casse jamais tout dans un pays. Et je suis d'accord, il y a des choses qui ont été dites et répétées. J'essaie de le faire à ma manière, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la déprime de ce pays. Moi, ça me casse, cette déprime. Et donc, je l'ai fait avec un psychanalyste. Alors, je crois que quand même, il y a ce petit regard avec un travail avec ce psychanalyste qui permet de comprendre, d'aller à l'origine du problème. C'est intéressant. Et maintenant, les solutions, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas fait un listing de tout ce qu'il faut faire sur le changement des institutions. Parce que j'étais en train de me demander si en fait vous n'étiez pas tout simplement candidate à l'Élysée, Guylaine. Ce serait formidable. Ça vraiment, oui. Non, ça vous tenterait pas? C'est très difficile, c'est très difficile. Il faut entrer dans un parti. Ça ne vous tenterait pas? Moi j'adore la politique, mais... Mais non, mais bon, voilà. Ça y est, on la cherche, mesdames et messieurs, la candidate 2007. Jean-Bernard. Et puis je vais résumer parfaitement en une phrase. Elle dit la vérité est toute simple. Jamais l'État français n'a coûté aussi cher et jamais il n'a été aussi inefficace. Et c'est tout. La question qu'elle pose, c'est de dire, on a la SNCF, la SNCF coûte près de 13 milliards d'euros aux Français sous forme de contributions au régime de retraite, aux investissements, à l'entretien du réseau, tout ça. C'est colossal, c'est 5% du budget de la France. C'est 3 fois le budget de la justice, c'est plus que le budget de la recherche. On a peut-être un problème avec la SNCF, posons-le. Et essayons de le résoudre. Autre problème que nous avons eu qui est très important récemment, c'est le problème des banlieues. Guylaine, il y a combien d'offices en France qui sont là pour régler le problème de l'immigration et des banlieues? Il doit y avoir une quarantaine d'organismes qui ont des noms, groupes d'études, GLED, groupements, bureaux, offices, etc. Et en 30 ans, on a dû faire 40 rapports, 40... Ils sont payés, ces gens. Ils sont payés, ils ont des bureaux, ils ont des photocopieuses, ils ont des voitures, des chauffeurs, ils ont des notes de frais. Ouais. Et à la sortie, Mouloud met le feu à la voiture dans le 9-4. Donc ça marche pas. On n'a pas besoin de tous ces budgétivores qui ne foutent rien et qui ont détourné le public à leur service et alors, non pas le service pas public. Alors ne dis pas ça à la télé, mais va le dire aux syndicats, parce que le problème... Mais j'en ai autant pour les syndicats. Regarde la télé, les syndicalistes. Guylaine. Oui, mais il faut qu'on parle ensemble. C'est aussi un problème de notre névrose, c'est qu'on se parle. Jean-Pierre Cabache le dit tous les jours sur un repas. Parlons-nous. Ouais. Ah, d'accord.
Mais par exemple, vous parliez des syndicats. Les syndicats, moi je les ai rencontrés, on sent qu'ils sont prêts à ce dialogue. Ils savent très bien qu'il y a des choses qui sont quand même... Et quelqu'un de la CGT a dit, nous sommes tous coupables. Mais simplement, il faut aussi que les hauts fonctionnaires fassent un geste. On ne peut pas demander la flexibilité à la base et puis rien changer au sommet. Bon, le patronat vit dans un système, vivait dans un système où quand même, il y avait aussi du renvoi d'ascenseur et de je te coopte et moi je te signe une petite retraite dorée, etc. Puis à la base, on dit, allez, précarité, précarité. Il faut fixer un cadre. Là, les Français ont l'impression que chaque année, on leur grignote un petit truc et ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Donc, il faut fixer un cadre, discuter et en adulte. Voilà. Stevie Boulet. Ah bah moi j'adore les livres de Guylaine Ottenheimer. J'avais lu Les Intouchables. Oui, mais c'est insomnie après tout. Bah peut-être, mais en tout cas ça te fait poser les questions comme quoi dans ce pays il y a un véritable problème. Moi je l'ai décortiqué le livre. Et sur votre livre il y a un mot que j'ai adoré, c'est l'aristocratie d'État. Alors ça c'est formidable. C'est tous les grands... Toute l'élite du pays, en fin de compte, les grands chefs d'entreprise, les politiques, etc. Pensez-vous qu'ils envoient leurs enfants dans les écoles françaises? Mais certainement pas. Ils les envoient aux États-Unis, en Angleterre. Ils leur disent de partir, ils leur demandent de partir à l'étranger pour se former, parce que la France, au niveau tel qu'elle est aujourd'hui, c'est foutu. Donc il y a bien un malaise quelque part. Enfin, le livre... Non mais écoutez, moi je peux pas tout dire, mais le livre est génial. Notre attaché de presse est Marcel. Jean-Luc Lemoine. J'aime beaucoup Guylaine Ottenheimer, mais si elle se présente présidentielle, je ne voterai pas pour elle. Je voterai pour Elsa Fayer, parce qu'elle a enfin un programme clair. Elle l'a dit tout à l'heure, il faut se sentir les doigts du cul. Ça, c'est la classe d'Elsa Fayer. Voilà un beau programme. Voilà enfin quelqu'un qui ose dire les choses. Sentons-nous les doigts du cul. Il y a un autre moyen, franchement, Guylaine, de retrouver le moral, c'est d'écouter de la musique. Je vais vous proposer 3 CD. Vous pourrez repartir avec un seul des 3 CD. Attention, on n'a pas les moyens non plus de vous donner les 3, donc il faut bien écouter les avis de tout le monde avant de choisir lequel des 3. C'est Jean-Bernard Hébé qui nous en parle pour commencer. On commence par Santana, Jean-Bernard. Alors ça c'est bien, vous connaissez la règle en physique qui est que plus par plus ça fait moins et moins par moins ça fait plus. Voilà, ben là vous prenez un vieux plus un vieux, ça vous donne un jeune. C'est Santana qui chante avec le chanteur d'Aerosmith. C'est formidable, tout l'album de Santana est formidable. Just Feel Better, c'est le titre extrait de cet album, All That I Am, Santana. Santana, c'est un génie, c'est un mec qui vend des albums depuis des années, il chante jamais. Il fait chanter les autres pour lui, donc c'est bien. Perry. Ah, moi, de toute façon, quel que soit le contenu, je suis d'une indulgence absolue à l'égard de Santana parce que c'est tous les premiers slows, toute mon enfance, ma jeunesse. Comment c'était le slow là où, S'il y en a qui arrivent à reconnaître, c'est un meilleur. Vas-y, déjà, tu n'arrives pas à les reconnaître. Samba Pati, j'ai roulé mon premier patin dessus et mon deuxième avec ton mari, toujours sur ça. On passe à toute autre chose avec Maxime Le Forestier qui chante Brassens. Alors, bon, Maxime, c'est toujours bien, il chante bien. Bon, il est seul avec sa guitare, c'est enregistré live, c'est un quadruple album, si je ne me trompe. Même 5 CD. On a quand même un peu d'overdose, mais on n'est pas obligé de tout écouter d'un seul coup. Puis ça permet aux jeunes de redécouvrir Georges Brassens. Voilà. Le Forestier, pour parler aux jeunes, Brassens, c'est pareil. Encore, vous m'auriez dit, je sais pas, Robbie Williams qui chante du Brassens, j'aurais pu comprendre, mais Maxime Le Forestier qui chante Brassens, ça va plaire aux jeunes. À l'ombre des maris, regardez cet extrait de clip. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Je suis derrière et je reste, et parfois, lorsque cette pain bêche s'attarde en compagnie de son nouvel amant, que la nurse est sortie, le mari à la pêche, c'est moi, pauvre de moi, qui garde les enfants. Christine. Bon,
c'est vrai que ce que disait un peu Elsa, mais ce que je veux dire, c'est que le son change un peu, parce que quand tu écoutes Brassens, quand même, le son est un peu vieillot, même si on adore Brassens. Parce et que là, ça, c'est très moderne. C'est pas très moderne. Mais le CD est un peu moins rayé, tu vois. Ah ouais. Ah oui, il vient de sortir, c'est dommage. Jean-Luc, je suis juste un peu déçu. Ce feignant, il a même pas pris les paroles, il les lit. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable sur scène. Mais bon, sinon, ça s'écoute bien. Bon. Ah, vous déciderez après, Guylaine, parce qu'il y a encore un troisième CD. The Pussycat Dolls. Alors ça, je dois avouer que je ne connaissais pas. Alors, c'est une merveille technologique. C'est le premier CD que l'on n'a pas besoin d'écouter. C'est mieux sans le son. On regarde juste les images. Les images, c'est formidable. Don't Cha, c'est le titre. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Okay, I see how it's going down. Voilà. Ben c'est le boum 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 là qui doit plaire à mon ami. Ben moi j'aime bien. Guylaine Ottenheimer, lequel des trois vous choisissez? Moi, mon coup de cœur va évidemment à Santana. Just Feel Better, Carlos Santana, c'est pour vous. Et nous, on garde évidemment votre bouquin chez Albin Michel, Nos vaches sacrées, guérir la France sans les vaches sacrées, c'est ce que propose Guylaine Ottenheimer. Merci. Merci. Au mois de novembre dernier est sorti Passeur d'espoir aux presses de la Renaissance, un livre écrit par Marie-Hélène et Laurent de Cherizet, un couple parti pendant 14 mois avec leurs 5 enfants pour rencontrer des hommes et des femmes de toutes conditions qui dans leur pays œuvrent pour un monde plus juste. Un thème décidément d'actualité en ce moment. Passeur d'espoir, c'est le récit de ce long périple de cette famille. Mais c'est surtout un vibrant plaidoyer humaniste, au point que Rick Azaray, la chanteuse bien connue, qui pourtant, on le sait, aurait pu s'intéresser plutôt à ses chansons, a eu envie de parler de ce livre et de nous dire « Il faut absolument que vous en parliez sur ce plateau ». C'est en quelque sorte la marraine de cet ouvrage. Accueillons donc les auteurs de ce livre, Marie-Hélène et Laurent Cherizet, avec leur fille Maude, qui a fait le voyage avec eux, et la marraine de ce livre, Rick Azaray. Petite-fille, bonjour. Une famille à la rencontre des bâtisseurs du 21e siècle, c'est le sous-titre de votre livre. Il faut expliquer aussi que ça a été pendant quelques semaines une émission, enfin un documentaire passé à la télévision. Sur quelle chaîne c'était ? France 5. Ça a été un beau succès quand même. Oui. Oui. Alors là, vous avez décidé de raconter ces histoires en livre. Et Rick Azaray est tombé sur votre livre. Ou à moins que vous connaissiez cette famille avant, Rick, comment ça s'est non, passé? Non. J'ai entendu parler de ce livre et j'ai l'acquis. Et puis j'étais tellement enthousiasmée que je téléphonais à l'éditeur pour dire merci. Parce que je connaissais pas, c'est ce soir, c'est cet après-midi qu'on a fait connaissance. Bref, vous voulez faire chroniqueuse dans cette émission, dites-le tout de suite. C'est vrai. Mais elle a déjà la coiffure. Je suis déjà un peu pink avec la coiffure, oui. Mais le cœur, il est resté. Oui. Vous étiez au Awards de la coiffure le week-end dernier et votre coiffeur n'a pas gagné. Méchant. Je n'ai pas eu belle coiffure. Si. Passeur d'espoir, ce livre. Alors, racontons un peu quand même votre aventure, parce que au départ, vous êtes une famille modèle, hein, on va dire. Combien d'enfants en tout ? 5 enfants. 5 enfants, ouais. Au-dessus de la moyenne que vient de nous révéler l'INSEE. Et vous décidez de partir donc tous les 7 à travers le monde. Comment cette décision vous est venue et pourquoi vous avez fait ça, c'est-à-dire quitter l'appartement ou la maison, j'en sais rien, pour comme ça partir à travers différents pays, rencontrer des gens qui, on va le dire à travers ce livre, peuvent pour nous être l'espoir et en tout cas le futur. Bah, je vais vous dire, heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre. Parce que quand on regarde le JT qui vient juste après, on a de quoi se dire qu'il faut mieux pas avoir d'enfants, que dans 50 ans il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'air, il n'y aura plus rien, et qu'on est dans une terre qui va exploser. Voyez. Alors comme nous on a 5 enfants, soit on est suicidaire, soit on croit qu'il est impossible à venir. Et notre parti pris, ça a été de se dire, grâce à la caméra de Marie-Hélène qui est journaliste télé, grâce à notre crayon, grâce à nos 5 enfants qui nous ont permis des rencontres un peu exceptionnelles, on va aller dans le monde entier, apprendre une mondialisation un peu différente. C'est celle des hommes et des femmes
qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'accès à la Banque mondiale, qui n'ont pas de dollars en poche, mais qui osent se dire, quand je vis dans une favelas, quand je vis dans un endroit où il n'y a pas d'eau, quand je vis dans des endroits où il n'y a pas de système scolaire, eh bien, je peux faire quelque chose. Et qui nous disent, le monde n'est pas tel qu'il est, mais tel qu'on veut qu'il soit. Et ce qu'on raconte là, on ne fait que témoigner nos rencontres avec nos enfants, avec ces personnes, 18 pays, 18 histoires, qui chacune donnent une énergie considérable. Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'il a fait, lui, pour amener de l'eau à 700 000 personnes dans le désert? Comment est-ce que lui a fait pour amener des ordinateurs et former des gosses, 600 000 gosses au Brésil, à l'informatique, et il trouve un boulot derrière? Et tout ça, c'est des histoires de monsieur et madame tout le monde. Jean-Bernard Rébé, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, alors? Moi, je voudrais poser une question à Maude. Je voudrais savoir... En quoi ça t'a changé d'aller faire le tour du monde? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? À part le fait que t'es pas allé à l'école pendant 14 mois. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Voilà, ça lui a fait un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre. Qu'est-ce que tu as trouvé de bizarre? Et quel est le pays que tu as trouvé le plus étrange? Parce que je sais pas trop, parce que je suis un petit peu perdue. Le pays qu'elle a trouvé le plus étrange, c'est ici. Peut-être parler aux parents, Jean-Bernard. Comment vous avez fait, vraiment, il n'y a aucune malignité dans la question, pour pouvoir soustraire vos enfants de l'école pendant 14 mois? Bah en fait, ils avaient demandé une dispense. En fait, on a tout simplement appelé l'inspecteur, appelé le CNED, vous savez, c'est celui qui envoie les cours à distance, et on leur a dit, voilà ce qu'on veut faire. On est convaincu qu'il n'y a pas de fatalité quand l'homme souffre. Quand l'être humain souffre, on est convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. Et on avait développé une association avec des amis qui s'appelle Reporters d'Espoir, et qui essaie de récupérer tous les articles constructifs. Il y a un problème, il y a aussi des chemins de résolution. La vraie vie, elle est là. Et nous, on avait envie de dire ça à nos gosses, on avait envie de partager ça avec nos gosses. Et on l'a dit à l'inspecteur. Alors au début, il a dit, oh non, monsieur, machin, etc. Puis la deuxième fois, oh non, monsieur, peut-être. Et puis la troisième fois, c'est génial, et on mettra vos films dans toutes les écoles. Ce qui fait que nos films sont diffusés comme outils pédagogiques dans les écoles. Elsa Fayer. Moi, je trouve ça formidable ce que vous avez fait. Vous êtes allé très loin pour aller voir comment d'autres personnes s'en sont sorties dans des conditions beaucoup plus précaires que celles qu'on a, nous, en France. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette richesse que vous êtes allé chercher? Et qu'est-ce que vous allez faire en France, peut-être, pour bouger les choses? Parce que ce serait peut-être là que je vais faire comme les hommes politiques. Merci pour cette bonne question. Merci d'y répondre. En fait, c'est André Dussolier qui a fait la voix de nos films et qui, l'autre jour, me disait, Laurent, il faut continuer en France. Aujourd'hui, on reçoit des milliers de mails de gens qui nous disent, en vous écoutant sur Europe, en lisant votre livre, j'ai pleuré, j'ai repris espoir. Mais moi, ça me fait chialer quand j'entends ça. Et ce qu'on veut faire, c'est continuer, tout simplement. Parce qu'il y a des histoires extraordinaires en France, il y en a en Europe. Et donc, un jour, on se disait dans un dîner à la maison avec les enfants, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que dans les mois à venir, au rythme des vacances scolaires cette fois-ci, on ne va pas être kamikaze trop longtemps, eh bien, on va faire Passeur d'Espoir, tome 3. Donc ça, c'est rendez-vous dans 2 ans. Christine. Mais moi, je ne suis pas aussi enthousiaste que vous. C'est-à-dire, vous découvrez la misère. On dirait que vous la découvrez. Nous imaginions une route goudronnée après à peine une demi-heure. Nous nous engageons sur une piste vertigineuse. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai un peu voyagé. Vous allez aux États-Unis, vous vous rendez bien compte que les Noirs en Louisiane vivent dans la merde, alors que vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Au Mexique, vous voyez très bien les bidonvilles qui sont à côté des grands hôtels. J'ai un peu l'impression que c'est une lapalissade. Je ne remets pas en question votre intention, qui est formidable, d'avoir voulu nous faire découvrir des gens qui se mouillent pour les autres. Je trouve que votre livre est un peu naïf. Voilà, dans votre... On sent la petite famille parfaite qui découvre l'horreur. Vous ne vous sentez pas attaqué. Je trouve que vous êtes... C'est trop, je vous dis, la petite maison dans la prairie qui découvre le tiers-monde. Vous savez, moi, je pense que voilà, c'est super important d'avoir l'audace de l'espoir. Quand on est dans une logique, si vous voulez, où les gosses aujourd'hui n'ont pas d'espoir, où il y a des gens qui se disent « le monde ne m'attend pas » et qu'on est obligé de cramer des bagnoles ou qu'on est obligé de prendre des médicaments contre la dépression, etc. Il faut quand même un tout petit peu se poser la question de savoir quels sont les chemins d'espoir pour le 21e siècle. Donc, et de toute on a façon, été les rencontrer, on a été les partager. On peut toujours tirer ça vers le bas, c'est pas dur. Quand on voit tous les politiciens du monde qui sont malades avec la réunionnite, on se rencontre, on fait des réunions, et le temps qu'on décide, les gens pour lesquels on voulait être protégés sont déjà morts de faim. Mais moi, je veux savoir, combien d'histoires vous connaissiez dans le livre? Combien d'histoires vous connaissiez avant d'avoir lu le livre? Je vais vous dire, j'en connaissais d'autres, mais je connaissais les mêmes dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissiez des histoires de ce livre? Non, mais pas du tout, mais j'en connais pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a dans le monde entier des milliers de personnes qui sont des entrepreneurs sociaux.
ne vous arrêtez pas dans la lecture à la misère. Non, mais je comprends tout à fait ce que dit Christine. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter plutôt à votre histoire, à vous. Non, elle n'est pas intéressante. Alors, pardon, vous n'allez pas la mettre. Oui, mais ça, mais c'est difficile parce qu'il y a des gens qui nous disent « Mettez pas votre histoire ». Il y a des gens qui nous disent « On n'a pas assez de votre histoire ». Il y a des gens qui nous disent « On aimerait savoir plus comment vous l'avez vécu ». Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que si le bouquin est 9e vente aujourd'hui en France, 9e vente dans le classement de cette semaine, c'est pas pour rien. Et moi, je suis super heureux. D'abord, on donne tous les droits à une association humanitaire, donc on est très libre économiquement, numéro un. Et numéro deux, j'en suis super heureux parce que c'est des gens qui retrouvent la pêche comme nous, on l'a retrouvée en allant rencontrer ces personnes. Bravo, tout à fait. Voilà. Jean-Luc, je voudrais juste parler à Rika, parce que je suis juste content de voir Rika. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était pour la lutte anti-pigeon. Donc, je voudrais vous remercier. Le seul problème, c'est qu'on ne sait plus à qui poser des questions, donc j'ai envie de vous demander, est-ce que ce tour du monde, vous avez pensé à le faire sans chemise, sans pantalon? Rika, la réaction de Christine, on peut dire c'est ça, la France. Hein, voilà. Et la continuation, c'est l'amour, la joie et l'espérance. Et voilà. Et vous avez chanté Va vers l'espoir aussi, je crois. Oui. Et moi, j'ai une question sympa pour Maud. Alors, Maud, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner à la vraie école française après cette aventure? Ben moi j'ai parce que au début ben j'étais contente de voir tout le monde, mais en même temps c'était bien aussi de faire le tour du monde, donc j'aimerais bien aussi revoir encore plus de monde, plus Tu voudrais continuer? Oui. Et l'école, ça te plaît franchement? Bah oui, mais j'aimerais bien aussi faire les deux. Ouais. Ah. C'est-à-dire que maintenant tu te dis quand même que c'est plus marrant d'aller dans les pays plutôt qu'à l'école, oui ou non? Bah, je préfère un petit peu voyager. Parce que... Comme moi, presse de la Renaissance, passeur d'espoir, Marie-Hélène et Laurent de Cherizet, on vous remercie. Le livre existe. Et si vous voulez les DVD, il faut aller sur le site internet de France 5, vous aurez les DVD des émissions. On vous remercie tous les trois. On va garder Rika pour jouer avec nous au Rika vu qui? Rika vu quoi? Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, Rika, venez me rejoindre. Qu'enfin vous soyez à mes côtés. Rika Zaraille. Vous allez chanter quand même à nouveau, Rika, un de ces jours-là. J'ai chanté beaucoup en province. Je faisais 40 spectacles cet été, mais pas à Paris. Mais j'ai écrit maintenant mon livre. Et quand j'aurai fini ce livre, j'ai enregistré un nouveau disque. Première photo, attention. Qui est cette personne? Pourquoi elle est dans le journal? Parce qu'elle est habillée par Stella McCartney, c'est une tenniswoman. Excellente réponse de Jean-Luc. Qui est devenue la plus sexy des tenniswomen. C'est elle est vraiment très sexy. C'est elle qui succède à Kournikova, en fait. On peut dire ça. Un point pour Jean-Luc. Photo suivante. De qui s'agit-il? Ça, c'est un des cow-boys. Ah oui, Michel Piconi, excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. C'est Michel Piconi. J'ai pas vu que c'était les deux cow-boys qu'on dit homosexuels. Non, pas du tout, pas du tout. Il picole, mais il est pas... Photo suivante. C'est Léonore d'Espagne. Non, pas du tout. Non. C'est un bébé. Alors, c'est le bébé qui illustre le fait qu'il y a beaucoup de bébés en France. Non. Pas du tout. Est-ce que c'est le bébé de quelqu'un? Oui. Oui, bah, c'est le bébé. C'est Albert de Monaco. Non. Il a été... C'est un bébé connu, sa maman est connue. Non, pas du tout. C'est le bébé de Ben Affleck et de... Angelina Jolie. Non. Elle n'a pas accouché. Est-ce que c'est un bébé français? C'est pas un bébé français. Anglais. De Britney Spears. C'est un bébé de star. Le bébé de Britney Spears. Excellente réponse de Stevie Boulet. Qui garde la tête du classement. Là, Rika, là, sur ce coup-là, zéro. Hein. Zéro pointu. Zéro pointu. On ne peut pas être bon partout, hein. Rika. Pourquoi vous gardez le même prof de français que Jane Birkin? Je me pose la même question. Parce que quoi, depuis tant d'années que vous êtes ici à Paris. Je me pose la même question et j'ai honte en plus. Oui. Parce que la langue compte pour moi. Oui. Et parce que la beauté
et les syntaxes, le grammaire, je n'aime pas beaucoup, mais ça compte. Et je m'étonne chaque fois, alors que j'avale des livres, alors que je me renseigne, alors que je suis une femme vraiment qui s'intéresse à énormément de choses. Pour nous parler de syntaxe pour une étrangère, alors que la majorité ne sait pas. Attends, s'il te plaît, que je te rappelle que c'est Laurent Ruquier, bilingue. Il y a des erreurs que je continue à faire, et je ne connais pas la réponse. C'est pas, c'est pas voulu. Ma chère Rico, on vous en veut pas du tout. C'était gentil en tout cas d'être venu sur ce plateau pour accompagner cette famille qui venait nous parler de leur livre Passeur d'espoir. On vous embrasse, à très bientôt pour parler de vous la prochaine fois. Oui, pour parler de mon livre dans quelques mois. Ou du prochain salon de la coiffure, allez savoir. À demain.